prends les mobiliers, des literies, des grosses électroménagers et tout ce qui est petites choses avec. Aussi. On va ramasser chez le donateur. On ramène ça avec aux cycleries, la fontaine. Ensuite, c'est redispatché en fonction de la qualité. Donc, alors, il y aura forcément de la benne, il y aura du vêtement, il y aura du meuble, il y aura du bibelot, il y aura tout. Ah, il y en a des gens qui changent leur meuble, tu vois. Ça dépend, hein. Il y en a qui veulent changer du look. Il y en a qui ont des meubles, pour eux, c'est abîmé. Pour nous, c'est pas trop abîmé, tu vois. Parce que des fois, c'est quelque chose de rien, ils veulent changer, tu vois. Un objet que nous récupérons doit être recyclé et remis dans le circuit de consommation, quoi. Et on relance. Là, c'est bon. C'est la personne qui détient l'objet qui va dire qu'il peut resservir à quelqu'un d'autre. Et donc, cet objet qui a une histoire, une première ou une deuxième histoire, va continuer sa vie dans un autre endroit et avec d'autres gens. Et comme ça, il ne va pas tomber complètement dans le rebut, comme on dit. Comme cette table-là, la mienne, celle-là, tu vois, c'était l'équipage, je me rappelle, Momo, il m'a raconté. Il m'a dit, celle-là, pour la descente, je te dis pas, c'était le galère, il m'a dit. Et ils ont descendu de 5e étage à pied, tu vois, et ça, c'est lourd, quoi, ça pèse, tu vois, avec des chaises et tout. Mais tu vois, c'est, quand tu le vois, déjà, tu rigoles, tu vois, parce que il y a beaucoup de gens qui ont souffert pour la descente. Après, voilà, il est toujours là. En parlant de cette table, par exemple, il faut déjà trouver le bois pour la fabriquer. Donc le bois vient d'un arbre, l'arbre vient d'une forêt, la forêt vient d'un pays. Donc l'arbre a été coupé, transporté, enfin travaillé, viré avec l'écorce, transporté sûrement sur un fleuve le long d'une rivière, transporté dans une usine pour travailler le bois, pour fabriquer des planches ou je ne sais quoi. Ensuite, une usine de menuiserie ou je ne sais quoi a acheté du bois provenant de cet arbre dont étaient tirées les planches, a fabriqué la table. La table a été sûrement importée en France, oui. Elle a été mise en magasin, quelqu'un l'a achetée, donc elle a eu une vie déjà. Et un jour, la personne a voulu s'en débarrasser et en a fait don aux Emmaüs. Donc, ce qui pour elle est une deuxième chance, quoi. Et si personne ne l'achète, ben un jour ou l'autre, elle finira dans la benne et elle sera dépouillée, elle finira en allumette ou en papier. Ça te plaît comme ça? Ok, après tu vois, tu le... Bien, ça... On déforeste l'Amazonie pour me permettre en fait de me rouler mon tabac venant d'Afghanistan. C'est du papier. Le papier est fait à base de bois, messieurs. Bien. Donc, grâce à moi, petit à petit, la forêt d'Amazonie est en train de disparaître. Mais je ne suis pas le seul, vous n'en faites pas, nous sommes nombreux. Avec cette cigarette, je me suis permis de faire une guerre en Afghanistan, de faire la déforestation en Amazonie et à la Russie de devenir une autre puissance mondiale. C'est extraordinaire, je viens de relancer l'économie à moi tout seul. Voilà. Et c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Déjà, de quel pays vient le bois dont vous allez fabriquer, quoi. Thank you.
bien du Rwanda. Son prénom, c'est Jean de Dieu. Et cet homme, il doit avoir à peu près 35-40 ans, a survécu à un massacre, à un génocide. Il a dû fuir son pays. À un moment, on en vient à parler d'un achat qu'il vient d'effectuer. En fait, il a tout simplement acheté une machine à coudre. Quand je suis parti du Rwanda, j'ai laissé ma famille là-bas. Et particulièrement ma mère, qui aujourd'hui doit très certainement être morte. Et je suis parti en vitesse, donc je n'ai rien amené avec moi. Il ne fait pas du tourisme. Non, non, c'est un réfugié politique. Il fuit la guerre. Et il me dit, tu vois, il y a une chose. C'est que je n'ai aucune photo de ma mère. J'ai pas de photo de ma mère, j'ai pas de souvenir. Il me dit, mais j'ai un souvenir. Je me rappelle le soir. Je regardais ma mère coudre avec une machine Singer. Et pour lui, en fait, la seule preuve de l'existence de sa mère, du fait qu'elle ait vécu, du fait que lui ait été son fils, c'était cette machine. Un objet quelconque, je veux dire, qui n'a aucun intérêt pour 99,99% de la population mondiale. Et un jour, il voit exactement la même machine qu'il y a à vendre. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il a un choc. Il se précipite, il l'achète. Et je dis, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Il me dit, je vais la mettre dans ma chambre. Et comme je n'ai pas de photo de ma mère, ce sera la photo de ma mère. De Venise. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Il ne reste que partir à la mer. C'est mon village. C'est mon village. Je rigole. Oh. Ouais, ça ressemble un peu. Hein. Ça ressemble un peu. Ça ressemble à mon village. En fait, déjà, on ramasse pas tout ce qui est mort. Si on voit, par exemple, des trucs qui n'ont pas de valeur, vraiment, ça nécessite pas, on peut pas les récupérer. Valeur, c'est l'époque, déjà. C'est la signature. C'est surtout la marque. La marque, qui met sa griffe sur le meuble. Ça dépend, hein. Quelque chose d'ancien, antiquité. Ben, quelque chose qui est fait à la main, traditionnel, je pense que c'est ça. Voilà, de l'art, quoi. C'est ça qui fait la différence. Alors tout ce qui est beau de valeur, on garde. Tout ce qui est bréché, on jette. En regardant dans les livres,
Tu vois les notes qu'ont écrit les gens, et c'est pour toi, papa, ou pour toi, maman. Ou, ils ont écrit les petits mots, tu vois, les choses, mais je pense que quand on donne, et, je sais pas s'ils en pensent, mais c'est parce qu'ils n'ont plus besoin, ou pour quelque, je sais pas quelle raison, et, mais ils n'ont pas le temps de, ils n'ont pas eu le temps de peut-être faire le tri de ce qu'ils ont besoin, ou ceux qui ont de la valeur. C'est... Ben, ici, tu vois, avait beaucoup ici. Ben, Jean avait beaucoup de choses ici bonnes. Hein. C'est... Parce qu'il y a qu'à voir... à qu'à voir une sortie de marchandises quand c'est trop. À qu'à voir un escape, quelque chose. Ben, un petit qu'on ne sait pas. Parce qu'il y avait ici bonnes choses, oui. Sont bonnes, ne sont pas. C'est comme ça. Nous, c'est pas nous qui va changer la mentalité. Pour pas les rues en Algérie, c'est quasi nul de trouver une armoire à la rue ou quelqu'un tu va dire tiens, je te donne un frigo. Ça existe, mais c'est très peu parce que déjà eux, ils n'arrivent pas à s'offrir un deuxième frigo pour qu'ils puissent donner le premier. Quoi. Donc, ils ont de la valeur, bien entendu, parce que tout le monde a. On n'a pas les moyens de faire un deuxième frigo, une deuxième télé ou une deuxième armoire en tant qu'il utilise jusqu'à sa fin de 6 jours. Tu vois que les Africains, ils n'aiment pas jeter comme ça. Parce que pour eux, cet objet peut encore servir. Mais il y a d'autres personnes. Ah, ça. Il manque une vis. Bah. Il y a un petit truc qui manque, on jette. Mais en Afrique, on pense plus. Ok, on peut. Là, il manque une vis et je vais coller quelque chose comme ça pour encore servir. Donc, c'est l'attitude des gens. Ce n'est pas toujours juste la valeur financière parce qu'il y a, par exemple, il y a juste une petite chose, mais tu sais que tu ne voudrais pas juste le jeter comme ça, même s'il n'y a pas. Il ne valent pas grand-chose en termes de l'argent. Le grand drame, c'est qu'aujourd'hui, l'objet n'intéresse que par rapport à sa valeur financière. Est-ce que les gens se posent vraiment la question de savoir est-ce que cet objet, ça ne va pas beaucoup plus loin que l'argent? Et est-ce qu'il ne serait pas bon que nous nous remettions en cause, que nous soyons un petit peu moins dans le confort et que nous revenions vers quelques principes et surtout préceptes beaucoup plus humains? C'est-à-dire qu'au lieu de parler simplement de l'humain, est-ce qu'il ne pourrait peut-être pas mieux dire faire certaines choses, passer du temps avec les gens? Et beaucoup moins à parler que d'argent, les moyens de récupérer plus d'objets. Parce que le problème, c'est ça, on va être noyé par les objets. Les objets nous noient. On est noyé par les objets. On n'y fait même plus attention. Un être humain, c'est toujours un être humain. Les objets, parfois, tu es obligé de jeter, mais tu ne peux jamais jeter un être humain. Ceux qui sont, par exemple, qui sont dans la vie normale, tout d'un coup, ils se retrouvent au chômage parce que dans leur métier, ça a évolué, tu vois, il n'y a pas eu, c'est pas la même manière de travailler. Et donc là, tu sais que tu vas être accueilli et qu'on va pas te demander d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant de venir. On va pas te poser de questions. On va te dire, voilà, tu as un lit, tu manges, tu travailles. Et un homme qui, lui, vient d'un endroit où il n'y a que le nécessaire. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça donne? On arrive quand même à se comprendre. Effectivement, il y a des deux, quoi. Il y a un choix, mais il y a aussi, après, une décision
que tu prends ou que tu ne prends pas. Tu viens, tu restes ou tu repars. Tu repars dans la vie normale et tu reprends ton chemin, quoi. Et c'est jamais un choix complètement assumé, quoi, de venir là. Il y a toujours quelque chose qui t'a... Un ressort qui est cassé et qui te met en difficulté dans la société normale, quoi. Quand tu es dans la rue ou quand tu n'as plus de solution et qu'il n'y a qu'une seule porte qui s'ouvre, je veux dire, ce n'est pas vraiment choisir. Le choix viendra beaucoup plus tard. En fait, il y a une dimension du temps qui n'est pas la même pour les gens qui vivent ici de manière permanente et les gens qui sont de passage. En fait, c'est exactement ça. La durée et le temps n'ont pas du tout la même valeur. Justement, et ça pose la question de la liberté, entre guillemets. C'est tout simplement... on dit toujours que les gens ont le choix, c'est faux. Je ne crois pas, surtout dans une société comme la nôtre, où les choses sont bien sectorisées, où tout est bien formaté. La notion de liberté est quelque chose de très aléatoire. En fait, c'est très utopique. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais la date. Nous savons le jour où nous rentrons, mais nous ne savons jamais le jour où nous en sortirons. Dans quelles conditions nous en sortirons et pour aller où. Et ça, c'est une très très grosse différence. En même temps, la plupart d'entre nous n'y pensent pas. Sinon, je crois que ça pourrait même être... d'une certaine manière, ça pourrait être désespérant. Donc, en règle générale, on vit plutôt au jour le jour.